Ladies and gentlemen, dear colleagues, seeing Europe from the local perspective, that is our message. On behalf of all of you, I should like to begin by warmly thanking the President of the European Council for attending his first address on the State of the Union as seen from the perspective of the cities and regions of Europe. Mr. President, your presence here today demonstrates your desire to work together in a spirit of trust and loyal cooperation, as set out in the Declaration of Rome adopted on the 60th anniversary of the treaty. At a time which is so crucial for the future of every European, it is essential that we pool our resources. Monsieur le Président, de par votre fonction, vous incarnez l'Europe. Vous êtes attaché aux valeurs et principes qui unissent les Européens. La solidarité, la dignité humaine, la liberté, l'égalité, le respect de la démocratie et de l'état de droit. Ces valeurs et principes permettent aux Européens de penser, de s'exprimer, de vivre librement. Ces valeurs et principes doivent être respectés par tous, partout en Europe. L'année dernière, Monsieur le Président, vous aviez déclaré devant notre Assemblée que vous militiez de longue date en faveur du régionalisme en Europe et que vous étiez un habitant de Gdansk, un Kachoup et un Polonais, mais aussi un Européen. Avec ces mots simples, vous avez rappelé que revendiquer son identité européenne, nationale, régionale ou locale n'implique aucun renoncement à l'une ou à l'autre. Tout au contraire. Nos identités doivent dialoguer pacifiquement et être constamment dans l'ouverture plutôt que dans le repli. C'est ainsi qu'elles se renforcent mutuellement. Monsieur le Président, chers collègues, pourquoi faire à notre tour un État de l'Union européenne? Avec le livre blanc sur le futur de l'Europe et son excellent discours sur l'État de l'Union, le président de la Commission a relancé le débat nécessaire sur le futur de notre Union. Il est important que chacun y participe et que chaque contribution soit prise en compte. Au Comité européen des régions, nous envisageons l'Union depuis le terrain, aux côtés des Européens, avec le regard de nos 350 élus locaux et régionaux. C'est ce point de vue que nous voulons vous livrer. À travers vous, Monsieur le Président, nous nous adressons aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union dans la perspective du Conseil européen de décembre qui sera consacré au futur de l'Europe. Les régions, les villes et les communes sont d'abord le lieu de vie des 510 millions d'Européens. Ce sont les territoires de l'Europe. Ils sont d'une grande diversité de cultures, d'histoires, d'environnements et de conditions socio-économiques. Une diversité qu'il faut valoriser au niveau européen, comme ce sera le cas avec l'année européenne du patrimoine culturel. Ces territoires traversent l'Europe. Certains sont même à cheval sur plusieurs pays, comme les macro-régions du Danube, de la mer Baltique, de la région adriatique et ionienne, ainsi que de la région alpine, ce qui nécessite de développer des stratégies spécifiques pour améliorer la coopération et la coordination. Les citoyens, eux aussi, traversent ces territoires. Plus d'un tiers vivent et travaillent dans les régions frontalières. C'est dire toute l'importance de la coopération transfrontalière et plus largement de la coopération territoriale dont la contribution au projet européen dépasse largement le budget qui lui est alloué et qui ne représente que 2,6% de la politique régionale. Et je n'oublie pas non plus les formes plus anciennes de coopération, comme les jumelages, qui permettent eux aussi aux Européens de se rencontrer et de découvrir l'Europe. En tissant des liens entre elles, les régions tissent les liens sociaux,
économiques et culturels qui unissent les Européens. Les collectivités territoriales sont aussi très souvent les incubateurs de l'innovation, un enjeu fondamental auquel notre comité accorde une attention toute particulière et qui est valorisé par la présidence estonienne. Les villes et régions ont de grandes responsabilités. Elles sont le cadre dans lequel les Européens réalisent leurs projets de vie et peuvent être soutenus. Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe occupe une place de plus en plus importante dans l'activité des élus locaux et régionaux. Ils mettent en œuvre la majorité de la législation européenne. Ils bâtissent, cofinancent et gèrent des projets européens avec l'appui de leur administration. Selon l'organisation interne de leurs États, ils sont parfois associés à l'élaboration des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité et de convergence dans le cadre du semestre européen. Ils débattent de l'Europe dans leurs assemblées et avec leurs concitoyens. Ils disposent également de représentations auprès des institutions européennes. Notre comité va d'ailleurs renforcer encore la coopération avec les quelques 300 bureaux régionaux présents ici à Bruxelles. L'engagement des élus locaux et régionaux est récompensé par le niveau de confiance citoyenne à l'égard des pouvoirs locaux et régionaux, qui est supérieur à celui dont bénéficient l'Europe et les États. C'est une grande fierté, parce que cela veut dire que nos villes et régions sont un élément de confiance dans une union parfois empreinte de doute. C'est aussi une grande responsabilité, car cela fait des élus locaux et régionaux des acteurs incontournables de la démocratie européenne. Oui, les villes et régions sont l'Europe. Nous sommes tous ensemble l'Europe. Tout comme le niveau européen influence le niveau local et régional, il faut maintenant que ce niveau local et régional puisse pleinement aussi influencer le niveau européen. Que l'interaction soit totale pour que les bénéfices soient réciproques. La voix des villes et régions doit être entendue. C'est pourquoi je propose que nous tenions le prochain sommet des villes et régions de l'Union européenne au premier trimestre 2019 pour adresser des messages clairs et concrets aux chefs d'État et de gouvernement et aux dirigeants de l'Union qui se réuniront fin mars 2019 à Sibiu en Roumanie. Monsieur le Président, chers collègues, la désunion doit après 9 années de crise, la croissance européenne commence à donner des premiers signaux positifs. Le chômage est au plus bas depuis 9 ans. C'est une motivation pour faire mieux encore et pour hisser hors des difficultés l'Europe et toutes ses régions, car elles n'ont pas encore toutes retrouvé le niveau d'avant la crise. Il faut créer les conditions d'une croissance durable partagée entre les territoires et entre les Européens, en particulier les plus jeunes. Il ne faut pas se voiler la face. La période récente est marquée par des crises sérieuses qui révèlent à quel point l'Europe a besoin d'unité et de solidarité. J'aimerais évoquer ici la gestion de la crise des migrants et du Brexit, dont notre comité a d'ailleurs débattu à plusieurs reprises. La crise des migrants, c'est l'échec d'une Europe qui prend le risque de tourner le dos à ses valeurs. Depuis l'accord sur un plan d'urgence de répartition des réfugiés dans les États membres en septembre 2015, moins de 20% du nombre de personnes prévues ont été relocalisées par rapport à l'objectif initial. C'est un manquement regrettable à la valeur de solidarité qui fonde notre Union. Les villes et régions d'Europe ont dû faire face. À Catane, à Athènes, sur les îles grecques et aussi, et dans bien d'autres lieux et pays, des responsables locaux et régionaux ont organisé l'accueil de milliers de migrants dans des conditions très difficiles. Comme je salue les États qui ont pris leurs responsabilités, je veux rendre hommage à tous les élus locaux et régionaux et à leurs populations qui,
par leur courage et leur solidarité, ont fait l'honneur à l'esprit européen. J'en viens au Brexit. Pour moi, le Brexit est aussi l'échec d'une Europe basée sur des régimes d'exception. On ne peut pas maintenir une union avec des membres qui se soustraient à une partie des obligations qui leur incombent. La décision du Brexit aura de lourdes conséquences pour les collectivités territoriales britanniques et européennes. Dans un autre registre, la crise actuelle en Espagne avec les événements en Catalogne risque d'affecter l'Union. C'est pourquoi nous y consacrerons un premier débat spécifique immédiatement après cet échange sur l'état de l'Union. L'Union est la seule voie pour permettre à l'Europe de relever les défis du XXIe siècle qui affectent la vie des habitants de nos villes et de nos régions. Il faut avancer tous ensemble, de préférence au même rythme, à plusieurs vitesses s'il le faut, mais toujours en allant dans la même direction. Monsieur le Président, chers collègues, notre approche est simple. Construire l'Europe depuis le terrain avec les Européens. L'Europe ne se fera pas sans les Européens. Il faut travailler avec eux au futur de l'Europe, car il s'agit de leur, de notre futur. Deux principes doivent guider notre action. Agir au bon niveau et dialoguer avec les citoyens européens. Notre comité doit incarner l'expertise en matière de démocratie locale et régionale, qu'il s'agisse de décentralisation, de gouvernance à plusieurs niveaux ou encore de mise en œuvre du principe de solidarité. Le premier principe qui doit guider l'action, c'est de prendre les bonnes décisions au bon niveau de pouvoir. Le respect de ce principe de subsidiarité permet de rapprocher l'exercice des compétences au niveau le plus proche des citoyens. Le comité en est le garant et il est particulièrement actif en ce domaine. Il y a 10 ans, nous avons initié le réseau de monitorage de la subsidiarité qui rassemble notamment un grand nombre de parlements régionaux de l'Union européenne. Le 4 décembre prochain, nous co-organiserons avec le Bundesrat autrichien la 8e conférence de la subsidiarité à Vienne. Le rôle et l'expertise des collectivités territoriales sont précieux et doivent être mis à contribution. C'est pourquoi j'ai demandé au président et au premier vice-président de la Commission européenne que le Comité européen des régions soit membre de la Task Force subsidiarité et proportionnalité que la Commission met en place. Le deuxième principe qui doit guider notre action, c'est le dialogue avec les Européens. Depuis mars 2016, nous avons organisé plus de 140 débats citoyens dans 95 régions de l'Union auxquelles nos membres ont activement participé. Nous devons aussi intensifier les débats dans nos assemblées locales et régionales, car la parole des élus est une contribution précieuse au futur de l'Europe. C'est une très bonne chose que notamment la Commission, le Parlement et le Comité économique et social s'engagent aussi dans des débats locaux. Qu'on les appelle dialogue citoyen ou convention démocratique, nous devons travailler ensemble pour que l'Union soit en prise directe avec les Européens. Je suis convaincu que c'est en se confrontant aux attentes des Européens que la peur de l'Europe cédera la place à l'envie de l'Europe. Monsieur le Président, chers collègues, il faut assurer la sécurité physique, sociale et environnementale des Européens. L'Europe doit être un garant des libertés et une force de protection pour ses citoyens. La sécurité physique est fondamentale pour le bien-être des Européens. Les tragédies qui se sont déroulées dans plusieurs villes et pays européens nous le rappellent durement. La sécurité doit aussi être sociale. Les écarts économiques et sociaux entre Européens restent immenses. Et plus d'un Européen sur 5 vit dans un ménage en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les Européens ont besoin d'un modèle social fort qui les protège tous. N'oublions jamais
que l'Europe est fondée sur la promesse d'un mieux social. Voilà l'enjeu du sommet social qui se tiendra à Göteborg en Suède le 17 novembre prochain et auquel notre comité participera. Demain, nous adopterons un avis pour donner notre vision de l'Europe sociale afin de répondre à la Commission européenne et adresser un message aux participants de ce sommet de Göteborg. La sécurité des Européens passe aussi par la protection de l'environnement et de la biodiversité. Là aussi, les collectivités territoriales sont des acteurs de premier plan, tout comme des États et villes américains qui ont courageusement décidé de mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris, malgré l'attitude irresponsable de leur président. La lutte contre le changement climatique est aussi notre priorité. Nous venons de signer des partenariats avec le réseau européen de l'Alliance pour le climat, ainsi qu'avec le réseau international e-Clay. Nous nous rendrons à la COP23 à Bonn et nous participerons au Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. Oui, l'Europe est plus forte quand elle protège les Européens. C'est aussi le cas face aux catastrophes naturelles. Le comité s'en est encore rendu compte cette année dans les zones affectées par les tremblements de terre dans le centre d'Italie, en Ombrie, au Lazio, dans les Abruzzes et les Marches, pour lesquelles l'Union a débloqué des fonds de soutien. Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe a besoin d'ambition. L'Europe a aussi besoin de moyens. Dans les prochains mois, les institutions européennes négocieront le futur cadre financier pluriannuel et décideront des moyens alloués à l'Union qui sont aujourd'hui largement insuffisants pour soutenir les 510 millions d'Européens. L'ambition pour l'Europe doit s'accompagner de moyens sérieux pour être crédible, notamment en dégageant de nouvelles ressources, comme le préconise le rapport du groupe de haut niveau sur les ressources propres. Nous sommes évidemment particulièrement attentifs au futur de la politique de cohésion qui sera l'objet du Conseil du 15 novembre. Comme le mentionne l'avis de notre collègue Michael Schneider adopté en mai, la politique de cohésion est une contribution solidaire essentielle au renforcement de l'Union européenne et elle est la contrepartie nécessaire aux règles du marché intérieur. Son avenir et celui de l'Europe sont indissociablement liés. Comme l'a souligné la Commission pas plus tard qu'hier, lors de la période budgétaire 2014 à 2020, cette politique va aider 7,4 millions de chômeurs à retrouver un emploi, permettre à 8,9 millions d'Européens d'obtenir une qualification, faciliter l'accès à l'eau potable et à l'Internet à des millions de foyers, soutenir 1,1 million de petites et moyennes entreprises, financer de multiples projets de recherche, améliorer des milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées et accomplir tant d'autres choses. Il serait tout à fait incompréhensible et inadmissible de renoncer à une politique qui soutient si efficacement les Européens. Nos citoyens ne s'y trompent pas. Plus de 3 Européens sur 4 qui connaissent la politique régionale considèrent que les investissements régionaux de l'Union européenne ont des retombées positives sur leur ville ou leur région. La politique de cohésion est un élément de confiance dans l'Europe. Malheureusement, la perspective d'une politique de cohésion éclatée et diminuée dans le prochain cadre budgétaire de l'Union ne peut pas être écartée. L'impact budgétaire du Brexit sur les ressources de l'Union, les velléités d'imposer des conditionnalités de tout type sur la cohésion, les tendances à la remise en question de la solidarité entre États et régions sont autant de signaux inquiétants. Nous nous sommes regroupés avec 5 associations européennes, régionales et locales au sein de l'Alliance pour la cohésion pour préserver l'avenir de cette politique. Notre demande au Conseil est double. Assurer une politique de cohésion forte associant toutes les régions et lui garantir des ressources correspondant à au moins un tiers du budget de l'Union européenne, comme c'est le cas aujourd'hui. J'aimerais aussi parler d'un autre enjeu qui nous tient à cœur,
la capacité d'action et d'investissement des collectivités territoriales. L'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent au niveau national et européen a évolué dans le bon sens. On parle aujourd'hui de plus en plus de la nécessité de dégager des flexibilités budgétaires, de la défense de notre modèle social, notamment dans les négociations commerciales, de l'importance des investissements, y compris les investissements publics. Maintenant, il faut passer à l'action. L'Union européenne souffre d'un déficit de compétitivité dû à des infrastructures vieillissantes et à des investissements insuffisants. La crise économique et financière a directement entraîné une réduction de 15% des investissements. Les collectivités locales et régionales ne ménagent pas leurs efforts pour éviter un effondrement des investissements publics dont elles financent plus de la moitié. Mais, comme le rappelle un récent avis du comité préparé par notre collègue Marco Marcula, il est souvent encore difficile, sinon quasi impossible, de relancer pleinement l'investissement public avec les contraintes imposées par les règles budgétaires et comptables européennes. Comme on l'a fait pour favoriser l'investissement privé, il est grand temps de libérer aussi la capacité d'investissement public au niveau local et régional. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende meiner Ausführungen möchte ich erneut in unser aller Namen dem Ratspräsidenten danken, dass er seine Wertschätzung für die Städte und Regionen als wesentliche Akteure auf europäischer Ebene durch seine Anwesenheit zum Ausdruck bringt. Wir werden Ihnen, Herr Präsident, im kommenden Jahr die Stellungnahme über die Zukunft Europas, um die Sie uns ersucht haben, übergeben. In unserer künftigen Debatte über die Lage der Union werden wir auch sämtliche Beiträge aus den Arbeiten einfließen lassen, die wir im Rahmen der Initiativen Nachdenken über Europa durchgeführt haben. Auf dem Wege zum Gipfeltreffen der Städte und Regionen 2019 wird dies ein wichtiger Schritt unserer Arbeiten zur Zukunft der Union sein. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte Europas besteht aus großen Erfolgen und zuweilen auch aus Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, um selbstbewusst unser gemeinsames Schicksal weiter zu gestalten. Es ist jetzt Zeit zum Handeln. Herr Präsident, die europäischen Gebietskörperschaften stehen entschlossen an Ihrer Seite, um gemeinsam die Errungenschaften der Europäischen Union zu verteidigen, deren Handlungsfähigkeit zu verbessern und die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger Europas zu gestalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.